Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M. Vaillance et bienvenue sur ma chaîne de Vaillance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Vaillance sur le foot et on va s'intéresser au match Sochaux contre Metz. Alors, je dois vous l'avouer directement, je n'ai pas vu grand-chose pour ce match. Quelque chose d'équilibré entre les deux équipes niveau possession ainsi que de niveau tir, il y aura à peu près la même chose d'un côté ou de l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poussé les analyses en fait au niveau du foot, donc je ne fais pas souvent ça, mais j'ai décidé de le faire cette fois-ci. Il faut savoir que Sochaux à domicile est seulement classé 14e sur les 20 équipes. Je crois qu'il y a 20 équipes ou 21 équipes. Donc 14e, donc à domicile, c'est pas vraiment ça. Alors que l'équipe de Metz, à l'extérieur, quand ils jouent à l'extérieur, ils sont classés deuxième avec 9 buts contre 5 encaissés. Et au niveau général, ils sont classés troisième. Donc c'est plutôt pas mal, voire très bien. Moi, je pense qu'ils veulent rester dans le top 3. Ils sont vraiment très motivés. Ils vont mieux jouer que l'équipe de Sochaux. Donc Metz est parti pour bien gagner. Donc sauf si surprise, moi, pour ceux qui me suivent encore et toujours pour le Parion Sport, je vous conseille de jouer donc soit Sochaux, oubliez la gourde que je viens de vous dire, donc jouez plutôt Metz ou match nul. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup beaucoup de chances de passer avec cette double chance. Alors oui, la cote n'est pas haute, mais il vaut mieux gagner peu que perdre tout, comme on dit au niveau du foot. Après, voilà, moi c'est un conseil que je vous donne, c'est par rapport au tirage que je vois. J'ai tellement vu quelque chose d'équilibrant entre les deux que je suis impossible de partager. Peut-être qu'il y aura un match nul si ça se trouve. Mais voilà, Metz ou nul, c'est, je pense, c'est le mieux à faire parce que Metz vont vouloir vraiment cette motivation de rester dans le top 3 et vont vouloir rester dans le top 3. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu malheureusement pour aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de match, il n'y a pas grand-chose. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me donner ton avis dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour découvrir mes autres vidéos de voyance, mes futures vidéos de voyance, ainsi que mes débriefs sur les matchs de foot. Voilà, un grand merci à tous encore une fois qui m'ont écouté jusqu'au bout.